Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très très bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas été. Je sais même pas si vous avez une vidéo de nous sur ma chaîne, je sais même pas. Donc voilà, donc je sais pourquoi je ne vais jamais à Noz. Je vais vous montrer tout simplement mon sac. Alors est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc comment vous dire que mon sac est assez plein. Donc pareil que la vidéo action. En ce moment je prépare les cadeaux de Noël, donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses, etc. pour Noël. Donc voilà. Alors nous avons pour commencer deux petites choses comme ceci. Vous savez, c'est les petits bonhommes à construire, tout ça. Donc voilà. À 1,65€. Donc ça vaut vraiment le prix. Il n'y en avait plus beaucoup, mais ça valait vraiment pour ce petite chose là. Parce que ça, l'année dernière, je leur en avais acheté 4€ au moins, 4 ou 5€. Donc ça, tu payes ça une blinde. Et ça doit être... ah non, c'est Playmobil et non Lego. Par contre, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais vous montrer ça à 2,25€. Donc c'est un shampoing. Donc vu que je suis en rupture de shampoing, je sais pas si je vais mettre le Relaxion ou le Nose avant. Mais je vais vous dire la même chose, je suis en rade de shampoing. Donc j'en ai racheté. En plus 2,55€, c'est pas hyper cher. Un shampoing, donc je connais pas la marque du tout. Xpel RK, donc voilà. C'est quand même en 300ml quand même. Donc il est assez grand au niveau de ma main. Vous voyez. Donc voilà, plutôt sympa. Je dis hop, on continue dans les shampoings. Donc moi j'ai Evoluderma à 1,99€. Ça vaut le coup parce que c'est quand même un 400ml. Donc c'est un shampoing réparateur. Donc délice de karité. Donc voilà, donc c'est à la karité. Et ça j'adore cette odeur là. Je vais ressentir, mais ouais, c'est ça, je kiffe cette odeur là. Donc mon chéri aime pas trop parce que tout ce qui est noix de coco, tout ça, il aime pas. Mais bon, ce sera pour moi, c'est pas grave. Donc 1,99€, donc c'était plutôt pas cher. On continue. Pardon, dans les shampoings à 2,36€. C'est un... Donc c'est de la marque Cios. Donc professionnel. Donc démêlant léger. Douce, donc pure douceur, démêlant léger. Nutrition et contrôle des frises. Des frises outils. Pour cheveux normaux et épais. Ça c'est très bien, j'ai les cheveux épais. Et en fait moi ce qui m'intéressait plus c'était le démêlant. Donc 2,36€, donc ça c'est plutôt pas cher. C'est pareil, ça c'est en 500ml, donc c'est plutôt cool. Quitte à adhérer entre celui-là et celui-là. Parce que du coup, voilà, faire un shampoing normal et un shampoing démêlant, pourquoi pas. Donc voilà pour celui-ci. Et mon copain connaissait cette marque-ci, il m'a dit qu'elle était très bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. C'est en 500ml. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris du... Je sais pas comment ça s'appelle ça. À 79 centimes. Donc ça s'appelle ruban décoratif. Donc voilà, donc j'ai pris un rose comme ceci. À 79 centimes. Donc vous voyez, c'est pas hyper cher. Il y a l'air d'avoir 6 mètres. Donc ça c'est 6 mètres. Donc il y a plutôt pas mal. En rose comme ceci, j'ai trouvé ça super joli. Donc pareil, c'est ça à offrir. Donc ça c'est pareil, 79 centimes. Ça c'est en 8 mètres par contre. Et j'ai trouvé ça trop joli. Petit décor comme ça. Donc après, je sais pas, il y a des trucs que je vais offrir, des trucs que je vais garder moi, je sais pas encore. Ensuite, vous avez ceci à 59 centimes. Donc c'est pas très cher. Donc ça c'est des petits trucs comme ça. Donc je sais à qui l'offrir. Parce que moi je ne saurais pas quoi en faire, franchement, honnêtement. Voilà, donc je sais qu'il faut offrir. Donc voilà. Donc ensuite j'ai pris un petit donc chocolat praliné, donc à 99 centimes. Donc ça franchement c'est pas cher du tout. Je sais plus comment ça s'appelle ça, un petit crackers. Voilà, un petit cracker, je trouve ça trop mignon à offrir pour Noël. Je sais déjà à qui je vais l'offrir, je pense. Je pense que je vais l'offrir à mon papa, il aime bien les chocolats, donc pourquoi pas. Voilà, à voir. Ensuite, toujours dans la créa, en fait je me suis dit chocolat, mais voilà.
Là, ça doit être 3 euros, mais ça doit être moins de 3 euros. En plus, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être du washi tape. Je sais pas trop. Donc voilà, donc j'ai pris ça comme ça. Pareil, je sais à qui l'offrir. Voilà, ça fait plus des décors printaniers, etc. Donc voilà, donc là, sur l'étiquette, il n'y a pas de prix, donc je peux pas vous donner le prix. Voilà, ensuite, toujours en créa pour faire. Alors, j'ai pris deux petites choses comme ceci. Donc, toujours pas de prix non plus, mais ça, ça doit être même pas. Et il y a marqué 1,50€, donc ça doit être moins cher qu'1,50€. Donc voilà, donc j'ai pris des petits trucs comme ceci. Alors ensuite, il y a les petits boutons. Donc en fait, ça, je les ai pris clairement. Je casse la figure. Ça, je les ai pris clairement pour moi, tout simplement, parce que je commençais à me mettre à la créa et tout ça. Et en fait, c'est en forme de bitonio. Donc je ne sais pas si c'est à coller ou autre. Je ne sais pas trop, enfin, on verra bien. Donc c'est des petites étoiles comme ceci. Qui brille, et en fait vu qu'en ce moment je suis en train de faire un calendrier de l'avant féminin, du coup je me suis dit ça peut être pas mal de mettre ça par dessus. Ensuite pareil, toujours pour mon calendrier féminin, donc c'est marqué 2 euros, c'est marqué 2 euros, donc voilà, je sais pas le prix, c'est pas marqué. Pareil, j'ai pris des espèces de petits trucs en flocon, voilà, pareil pour mettre sur des décos ou autre. Ça pareil, je vais le garder, je vais pas l'offrir celui-là pour le coup. Peut-être me garder des trucs quand même. Ça c'est pareil, c'est pour moi, c'est pour mettre dans un petit album photo que je fais. Pareil, il n'y a pas de prix, mais je pense que ça doit pas être très cher. C'est pour mettre dans un petit album photo que j'ai fait pour mon petit cousin. Et je me suis dit ça peut être trop mignon d'avoir ça. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre d'autres, mais bon, c'est pas grave. Ah si, j'en ai pris un autre. Bon, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pareil, il n'y a pas de prix. Donc de base, c'est 1,50€, donc c'est quand même cher. C'est des petits papillons. Je me suis dit pareil pour le petit, petit truc que j'ai offert à un de mes cousins. Ça pouvait être sympa. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est deux petites choses différentes. Donc, c'est des pinceaux à 1,99€. Comment vous dire que c'est pas cher du tout. Voilà. Donc, comment vous dire que c'est pas cher. Voilà. Donc, je peux enlever les étiquettes. Hein. Donc voilà, donc dans celui-ci, il y a plusieurs pinceaux. Donc voilà, donc vous avez quelques pinceaux. Donc il y a celui-ci pour les sourcils, il y a celui-ci pour le fond de teint, celui-ci pour les trois là pour les yeux. Et il y a donc il y a celui-ci, donc 1,99€. Je vais sauter dessus, la couleur elle est super mignonne en plus. Et ensuite il y a ceux-là, toujours à 1,99€, c'est dans le même bac. Lui par contre il m'a l'air d'en avoir un peu moins que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'autre il y en a 7. Là il y en a que 5 et dans l'autre il y en a 7. Mais bon, moi je vais en garder un pour moi et un pour offrir. Donc voilà. Oh, par contre, les poils ils sont magnifiques. C'est une tuerie. Alors, j'ai pris ça parce que c'était pas cher et qu'en fait on en a jamais assez. Et je sais qu'à Noël ils en vendent souvent des petits pinceaux comme ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que c'était pas cher et puis on a toujours besoin de pinceaux, comme on dirait. Alors, j'ai presque fini mon haul. Alors, ensuite il y a une petite boule Dove. Donc j'ai failli craquer sur le... Il y avait un petit coffret Dove, j'ai failli craquer dessus, mais bon, j'ai pas craqué dessus parce que j'ai quand même pris quand même pas mal de choses. Donc là c'était à 1,50€. Donc c'est une petite bille comme ceci et il y a une crème à l'intérieur, petite boule de Noël. Donc il y a une mini crème corps hydratant nuit essence, donc voilà. Donc c'était 1,50€, donc je pense que c'est deux fois moins cher qu'en magasin. C'est dommage, il n'y a pas le prix de base. C'est en 75 ml. Et là, vous avez la photo de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai plutôt trouvé ça sympa à offrir. En plus, ça ressemble à une boule de Noël. Regardez, il y a le petit truc. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça sympa à offrir. Ensuite, en make-up, il y avait du lourd, du lourd, du lourd. Donc, il y avait ça à 4,50€. Je ne sais pas si je me tâte à me la garder ou à l'offrir. Donc, j'ai derrière comme ça. Donc, 4,50€. Déjà, elle n'était pas chère du tout.
Pas cher du tout, du tout, du tout. Donc, je vais essayer de enlever le petit papier. Voilà, pour l'ouvrir. Ah oui, elle est sympa, de chaque. Elle est sympa. En plus, il y a toutes mes couleurs que j'aime bien, les bleus, les rosés, rose-violet, tout ça. Donc voilà, donc j'étais soit, mais je sais pas si je veux jouer, parce qu'en fait, à la personne, j'ai pris déjà d'autres trucs. On sent que j'arrive à vendre. Et ensuite, pareil, il y a des super beaux blushs, pareil. Je voulais prendre pour offrir, mais ça c'est pareil, je sais pas si je vais l'offrir. Je pense que je testerai, puis si j'aime vraiment pas la personne à qui je voulais l'offrir, je vais lui donner. Après, on n'est pas encore à Noël, hein, donc je peux encore. Si vous voulez, je vous tourne la vidéo. On doit être le 30 décembre, un truc comme ça. Non, le 1er janvier. 1er décembre. 30 décembre, n'importe quoi. 1er décembre, je crois. Oui. Parce que le 1er janvier, Noël, il serait passé depuis longtemps. Hein. J'ai fumé quoi aujourd'hui. Donc, à 2,49€, franchement, ça vaut le coup. Donc Mua, ils font ça, ils font souvent Mua, il y a souvent Amnose. Oh là là, ouais, elle est trop trop jolie, elle est trop belle. Moi je kiffe. Je pense que je vais me la garder, même si j'en mets, oui. Mais je pense que je vais me la garder. Et celle de Action, je vais les donner. Moi j'aime pas trop avoir tout le temps trop de maquillage, etc. Donc. Voilà, donc cette petite palette là, génial ici. Alors on va continuer dans le make-up. Donc ça c'est toujours à offrir aussi. C'était pas cher non plus, c'était un coffret. 3,99€, donc comment vous dire que c'était pas cher du tout. Bon, par contre je suis un peu dégoûtée, je donne les prix, mais la personne qui va avoir ça à Noël va avoir tous les prix. Mais bon, c'est pas grave, comme on dit, c'est le geste qui compte. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci, tout simplement. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Donc franchement, je pense que la personne va aimer quoi. Il y a un lipstick eyeliner, il y a un mascara, il y a des fards à paupières, il y a un gloss, des vernis. Bon, il y a un vernis qui a l'air pas top, mais bon, c'est pas grave. Et un blush, ouais, enfin, c'est un truc à 3€ quoi, donc je vais pas me plaindre pour le prix que c'est. Donc voilà le petit coffret, à quoi il ressemble. Ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Je sais que la personne aimait bien parce qu'elle était avec moi, donc elle rigolait quand elle voit cette vidéo. Et ensuite, il y a comment faire un make-up avec tout ça. Donc voilà, donc ça, je suis contente de mon achat. Et ensuite, un dernier achat à, je ne sais pas le prix, il n'y a pas de prix. Un petit livre que je vais offrir aussi à Noël à un petit garçon. Donc c'est Histoire des maisons du monde. Donc voilà, donc ça se présente comme si, donc ça c'est en carton, en dur. Et je pense que l'enfant va aimer tout simplement lire des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc je pense qu'il va pouvoir bien s'amuser à lire. En plus, les écritures sont bien grandes, donc pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est comment construire des maisons, etc. Donc voilà, donc ça, j'ai trouvé plutôt ça sympa. Donc voilà, donc tout mon haul Nose est atterri ici. J'espère que mon haul vous aura plu. C'est très rare que je fais des haul Nose parce que en fait, quand je vais à Nose ou Action, c'est pareil. En fait, à chaque fois, j'en sors avec plein de trucs. Encore là, j'en ai eu pour moins cher à Nose qu'à Action quand même. Mais enfin, franchement, c'est quand même assez. Si vous y allez assez souvent, vous en avez pour une blinde à chaque fois. Donc après, si vous voulez aller à Nose, vaut mieux y aller une fois par mois. Un début de mois, milieu de mois ou fin de mois, n'importe, mais pas y aller tout le temps parce que y a tout le temps, tu trouves tout le temps des petites pépites et, ou autre. Genre, ça, franchement, c'est des pépites. Voilà, donc je trouve souvent des petites pépites. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si vous voulez voir toutes mes vidéos qui sortent à chaque fois. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.